Si nous avons cherché et côté arrestation de sortie, il va sortir dans l'invitation pour aller à la Scoop FM. C'est à mal comprendre les problèmes, c'est à mal comprendre sa rivière pour nous penser que son cette invitation dans la radio Port-au-Prince qui a abouti à l'arrestation. Un sénateur en fonction. Moi, je dis en fonction parce que l'article 95 Constitution est clair que après la publication officielle résultat, le sénateur est immédiatement rentré en fonction parce que l'élection n'a pas été faite en retard. Pas de question obligée prêter serment, pas de aucune question comme ça, condition claire sur ça, pour ne pas arriver, pour attaquer et arrêter un sénateur en fonction, mandaté par un peuple, sans respect pour aucune loi dans le pays, ni aucune loi internationale. Non, ce n'est pas invitation ça qui fait que ça privé arriver. Femme dit non, puisque nous connaissons femme dit non vérité. Moi, j'étais au courant que l'attaque là d'avoir faite au moins 24 heures de temps avant qu'il fasse attaque sur moi. Sénateur Hervé Foucan, que me voulons chapeau, un gros coup de chapeau pour lui. C'était un rare nègre qui était au moins gain la décence pour le relayer. Pour le faire venir la Cali à 9-10 heures du soir. Pour l'inviter pour me la Cali, pour me parce que complot était général. C'était mot sénateur, complot général. Ça veut dire que ce n'est pas ennemi seulement qui a comploté, allié qui a comploté. Parce que tout ça, on a dit qu'il n'y a pas de contrôler, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de. Deuxièmement, je vous une salutation, je vous un gros coup de chapeau tout. Pour l'ancien commandant de la police, Gédéon, que vous fâchez que je cite non, mais l'on est fait un bagarre, moi je cite non. Son bagarre est sérieux le fait, malgré que vous avez l'ordre illégal, au moins vous avez avisé, mais ça peut le faire, et pas de gens pour le camper. Parce que encore une fois, tout le monde est dans un complot pour éliminer et tout le monde est d'accord que c'est ennemi, que c'est allié, soi-disant allié. Mais je ne suis pas de cap fait back. Je vais expliquer au sénateur Hervé Foucan et je vous dis à m'expliquer nous. Moi, je suis un sénateur en pays. On peut voter. On peut faire mon travail pour mal faire. Comment vous dites que Blanc a décidé avec un série de nègres pour presque que je ne pas capable sénateur, je ne pas capable rentrer dans le Parlement, et si je rentre, il va rentrer dans le Parlement, il va fusiller, il va tirer. Ça a été planifié, c'est pour un échange de tir pour que les gens tombent. Le chef de police, là, et mon niveau, écoutez, je fais un message là. Après, je fais entendre le sénateur Hervé Foucan. Je décide que pas de aucune confrontation, je ne pas quitter ça arriver. Mais tout m'pap courir, m'pap courir pour responsabilité, m'pap courir parce que le peuple m'a mandaté. Et si tout le temps m'a dit peuple, il faut le courage pour l'avancer, même le bagaille difficile, moi-même, c'est pour me débattre exactement à tes points. C'est comme ça. Je prends toutes mesures pour sécurité, mieux, et à Jacques Tavem, que je connais tête chaud pour me faire pour aller là. C'est comme ça, après que je voyais ce bosque, ça, non, qui était avec moi. Je me dis là, lâche mon téléphone pour moi, je vais lâcher mon téléphone, on côté je ne pas besoin. Mon téléphone, je ne pas besoin. Et je n'ai pas besoin puisque je n'ai pas trois autres téléphones. Moi, il y a Louis-Jean-Étienne qui est avec moi. Je me dis là, cherche un papier pour moi. Je vais chercher un papier, on côté je ne pas besoin de papier. Attends. Et l'homme assure que je n'ai aucune confrontation, je n'ai aucun nègre qui a examen. Et je demande à tout le monde qui est exam, qui est nègre, qui est armé, qui est trois là, de homme, qui là. Alba et sécurité non ka et côté petit moi de. Donc moi pour compte moi, moi pas vraiment avec nèg ti armé parce que me dépend nan ki ça me braler et me pas d'ap faire bac pour rien parce que me gon responsabilité, on peut mettre sous dôme et me d'ap respecter jusqu'au bout. Le sénateur Grandest en relé me invite avec le directeur radio et Gary Pierre Bolchal, me déjà connais c'est non embuscade m'a rentré. Je pense que je ne sais pas, mais je connais. Et si je regarde, ou après que Gary Pierre Paul Charles joue l'hymne national là deux fois, l'a fait le, l'a fait tant pour les policiers qui sont arrivés, pour tout ça, pour comploter qui sont arrivés, pour faire ça, qui pour faire. Je suis calme, je parle. Ou après que 30 minutes après l'émission, je dis Gary, il faut aller. Il dit non, pourquoi aller, pourquoi aller. Moi, je connais ça, l'a fait. Je regarde, je connais, je connais, je connais. Parce que j'aime regarder là et j'aime parler avec là, je balle tout message que je devais bailler. Et après, l'homme sorti, pour éviter que aucun monde ne soit blessé, c'est moi personnellement, ce n'est pas le policier qui vient arrêter,
c'est moi personnellement qui marché sous commandant police là et me dit commandant ça qui passé comment va yo et m'a dit tout même policier ont voyé faire ça faire pas de souffel policier ça m'a dit peut-être il sauver la vie parce que il prend il aller il mettait dans en machine et c'est même moment dans des balles à tirer tout côté yo arrêté yo avili nom yo dit sénateur Guy Philippe c'est pour drogue arrêté ambassadeur américain Peter Mulrin écrit une lettre par le ministre de justice haïtienne qui dit que justice américaine a cherché Guy Philippe depuis 2005 pour trafic drogue. L'homme arrivé aux États-Unis, moi dit OK, nous prenons un jugement. Parce que je connais pas le trafic de drogue. Moi dit nous prenons un jugement. Le nègre ouais que nous prenons un jugement vrai. Le nègre ouais, il pas gagne rien parce que États-Unis le prenons un jugement, faut que nègre dit qui ça reproche, qui preuve que contre. Nègre paraît avec un feu, il dit que oui. Le 13 et le 17 janvier 2000, il y a deux bateaux qui quittaient au Cap haïtien à 80 kg de cocaïne. Et puis le capitaine dit, c'est le commandant Guy Philippe qui a été payé dans le bureau au Cap qui pouvait permettre de quitter le port au Cap là, et 10 à 12 et janvier 2000. Nous prenons le jugement, c'est ça qui est venu, c'est pour ça qui est contre moi. C'est sur ça qui est basé pour dire que Guy Philippe était dans le trafic de drogue. Le mre li avokam, nou pale, m di ok. M rale passeport, m ansyen passeport, m di, kom nèg la di, li te paye m, le 10 janvier, avan deplase ak le 12 janvier, depi 3 janvier 2000 mwen Etats-Unis, paske petit film tap fèt le 15 janvier, e pi an okun mouman pa jam komandan polis, ou kap. Ou kap pa jam sou kontrol, mwen se pa mwen te komandan, ou kap, nous étions directeur départemental chargé département nord pour police administrative. Donc, nous n'avons pas de commandant au Cap. Au Cap, tu es commandant. Un. Deuxièmement, comment au Cap fait États-Unis en même temps pour Haïti. Et troisièmement, ils ont transféré comme commandant au Cap en février 2000. Je n'ai pas de commandant au Cap en janvier 2000. Je n'ai pas au Cap en janvier 2000. Donc, là, vous voyez, vous mêlez. Deux jours après, vous connaissez son complot. Avocat dans complot contre moi, propre avocat. Tout le monde, deux jours après, vous venez avec un papier sur G-Bank. Vous dites, OK, nous n'avons pas de dossier de drogue. Ça m'a dit là, vous pouvez vérifier, les sites de site officiel, vous créez les PCI. Vous dites, non, ce n'est pas pour drogue. Le problème nous avons, c'est pour money laundry. C'est l'argent qu'on a lavé. Nous avons preuve qu'on a lavé 3,5 millions. Le monde qui preuve, vous avez. Il vient avec un chèque de 112 000 $ américains comme on preuve que je gagne 3,5 millions. 112 000 $, il dit 3,5 millions. Et puis il dit, le monde de côté où je viens de bagailler ça, c'est Soge Bank Haïti qui dit que je fais tout pile paquet de dépôts entre l'année 2001 et l'année 2003. Et pourtant, 2001 et 2003, commencé à décembre 99 jusqu'à 2003. De 2001 à 2003, que vous dites ensemble des dépôts, gros dépôts fait, tout le monde connaît pas dans Haïti, et pas aucun gens ne peut faire dépôt dans Soge Bank en 2001 à 2003. Parce que vous êtes en exil. Vous oubliez que c'est en février 2004 que vous rentrez. Je remercie le Sénat de la République qui te prend un gros coquin chaîne de résolution, tout. Il faut remercier le sénateur qui vous a dénoncé l'illégalité qui fait là. La Chambre des députés a pris une belle résolution le 13 janvier et malheureusement, les députés Kembel, malgré que ils prennent résolution, et la résolution lui-même n'est pas jamais accompagné la résolution sénateur. Et je me connais comment et qui député et pour qui ça, député ça a une belle résolution. Ça. De toute façon, pas de gens qui ont sorti dans le complot ça parce que le complot agent, sénateur a dit non, son complot général. Malgré que j'ai envie d'aller dans le jugement aux États-Unis, pas de gens qui ont gagné. Parce que n'y a pas besoin de preuves aux États-Unis qu'on font des choses qu'on va faire
pour yo condamner yo. Il suffit que yo prend deux moun qui nan prison qui vinn di oui, yo te bon kòb, yo te met kòb sou kont ou kòb sa vin nan trafic li sorti ou bien non bagay illégal, ou a perdu nan prison. Donc avocat yo sous gros pression décide signer ak gouvernement et yo di m signer après m'a fait appel. Moi j'ai un an pour me faire appel. Me dit bon d'accord nous mettre signer. Il y a bon 9 ans m'a fait 7 ans et m'a fait appel. Tout le monde a droit à appel. Seul Guy Philippe. Quand avant un an arrivé me faire appel. Yo transféré mon corps et mal devant le juge là. Le juge là décidé que me pas droit à faire appel. Mal devant la cour d'appel lui-même pour me dire pas comprendre. La cour d'appel prend décision, lui dit ou pas droit à faire appel. Donc tout côté me fait mon yo dit Guy Philippe pas droit à faire appel. Donc moi-même côté mi là me considérer comme un prisonnier politique. États-Unis d'Amérique qui a parlé de démocratie tout le temps. Yo kembem là sans que yo pa gen rien contre moi. Yo kembem là illégalement et yo kembem un sénateur sans respect pour constitution pays d'Haïti, sans respect pour droit international, sans respect pour convention Genève, sans respect pour tout l'autre ça gagne dans quatre. Et ça pire. Le sénateur envoie papier et puis nous montrer juge là nous dit donc est-ce qu'on ouais comme preuve que ça fait là illégal yo gen le toupet figure du yo déclarer que c'est pas extradition c'est kidnapper ou kidnapper en Haïti bon non yo kidnapper c'est ça on dit l'homme rivé pour montrer et puis n'a montrer que toute bagarre qui passe là c'est pas vrai c'est pas kidnapping mais ça Camille Edouard dit mais yo dit non c'est dans airport Miami. On a agent créé Amos Rojas arrêté. Donc moi-même, nous de tout ça qui est passé devant ce groupe FM, non? Officiellement aux États-Unis, yo même c'est Miami arrêté et c'est ça qui fait la prison aujourd'hui.